C'est quoi cette merde? Ces chèvres protègent notre village et ses serviteurs du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Oh fuck you, Mère Miranda, dégage! Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans Resident Evil Village, donc dans la démo. Donc la semaine passée j'ai pu faire celui du château, maintenant je vais faire celui du village. Donc, on va tout de suite commencer. On a juste 30 minutes. Je sais qu'il y en a déjà du monde parmi les YouTubers qui ont déjà fait genre la démo. Mais moi, je vais la faire parce que je veux quand même vous la montrer et je suis sûr que ça va sûrement intéresser certaines personnes. Donc, on va tout de suite commencer la vidéo. On commence et c'est parti. Donc, ouais, c'est ça. On va faire standard. Bon. Donc, cette démo est limitée à 60 minutes du jeu. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Ok. Donc, apparemment, je peux prendre 60 minutes pour faire cette démo. Intéressant. Parce qu'en fait, c'est 30 minutes pour le village, 30 minutes pour le château. Mais j'ai déjà fait le château, donc je peux passer 30 minutes, 60 minutes si je veux dans, genre, le village. Ah. Et la mort, nous te rendons gloire. Oh, ce sera pas une vieille Madame, sorcière, ça? restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. Faut pas qu'elle a l'air un peu folle. Vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, Rose, oui. Elle court un grand danger. Est-ce que c'est un boss fight? Depuis que l'a amené au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'à un moment donné, faudrait que je l'affronte elle? Ou elle est juste un personnage secondaire? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez. Comme une vieille sorcière. Le klaxon pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Ok. Donc, 60 minutes qu'on doit passer ici. Normalement, c'est 30, mais je sais pas si c'est 30 minutes pour. En tout cas, vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. J'ai pas besoin de me réexpliquer. C'est quoi cet endroit-là, hein? Oh! Ce serait pas genre un endroit où on fait des trucs sataniques? Ouais, ça doit être ça. Mais ça veut dire que ce serait la maison de cette vieille sorcière. Et donc, on a eu un fluide chimique. Oh, j'ai une arme! Parfait, parfait, parfait. Okay. Boum! Boum! Ok, je peux pas casser sa gueule à la femme. Ou à la personne qui est là-dedans. Cette serrure pourrait peut-être être crochetée. Ok, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Ok, on va garder le couteau pour l'instant. Hein. On va affronter les ennemis avec un coup de couteau, là. Comme un samouraï. Ok. Le château, il a l'air intéressant. Donc, on est rentré, il faut un crochet. Voyons voir par ici. Ok. Donc, ici, il y a une porte. J'imagine on peut pas sortir. C'est verrouillé de l'autre côté. Allez, je vais casser la gueule de tous ceux qui s'approchent de moi. Ok, Yo, ouais, c'est quoi une Amazon? Ok, peu importe. Bon. Est-ce qu'il y aurait des trucs? Je sais pas, moi, de l'or? Non? Je sais même pas si c'est de l'or qu'ils ont d'ailleurs. Oh! C'est quoi ça? Interagir, il faut un objet. Ok, donc il faut un objet pour ça. Un morceau de ferraille? Pour faire quoi? Peu importe. On peut pas passer par là, on peut oublier ça. Donc, on s'en va à où? Droite, gauche, je pense pas que je peux passer par ici, ça a l'air d'être bloqué en esti. Donc, on va continuer tout droit. Oh! C'est quoi cette merde? Ces chèvres protègent notre village et ses serviteurs du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Oh fuck you, Mère Miranda, dégage! Oh, c'est quoi ça? Church. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux du relief. L'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Je sais pas ce qui est Louisa, mais je m'en fous. Nice. Donc on a trouvé un relief.
Ok, bon, peu importe. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais genre, pas du tout. On peut passer par ici. On peut passer par la grande porte, hein. On va passer par la grande porte. Et aussi, on a un qui arrive et qui essaie de m'attaquer. Il aura affaire à moi. Je vous le dis à 100%. Ah, ben, j'ai pas assez de balles, donc je peux pas dire ça. J'ai seulement 20 balles. Je me trompe ou pas? Ok. Donc, on dirait un truc pour relever des trucs. Mais on dirait que je peux pas l'utiliser. Un objet. Quel objet il faudrait pour ça? Donc, on est rentré là-dedans. On a trouvé un morceau. Génial, génial, génial. C'est où les autres... Ah, c'est peut-être par ici que je vais trouver les autres morceaux. Non. C'est barré, dommage. Ok. Donc, c'est pas par là. Ok. On va sortir par l'autre côté. Par ici. Peut-être qu'on va trouver des monstres. Des loups-garous. Oh my god. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est plein de farine, jure. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est plein de farine. Il y avait un autre message, non? Je me trompe? Peu importe. Ok, il n'y a personne ici. Oh! Okay. Oh! Oh! Il y aura affaire à moi s'il y en a un qui m'attaque. C'est quoi ça? Une mine antipersonnelle? LOL, sérieux? Oh, attends. 10 balles, nice. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis, il y en a un qui vient, je le casse sa gueule. Il y aura affaire à moi. En général, ça arrive pas comme ça, mais je vais essayer de mon mieux. Oh! Attends, par hasard, ça serait pas pour bloquer la porte? C'est un monstre? Oh, jure, sérieux? Yo, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Intéressant. Oh, un ferraille. Donne-moi ça. Yo, pourquoi il n'y a pas de lumière? Il n'y a pas assez de lumière, je trouve. Vous êtes pas d'accord? Ok, est-ce que je peux faire comme des trucs, genre des balles? Non, on peut pas faire. On peut faire seulement des... Ouais, seulement des munitions normales. Fais chier. Fais chier. Oh. Je vais essayer de faire mon mieux là, mais je garantis pas à 100% que je vais y arriver. On va essayer en tout cas. Et ça me fait peur là, vous entendez le gros bruit là? Oh, putain, ça me fait peur, ça me fait peur! Vous avez vu? Et moi je dégage d'ici. Vite fait, bien fait. Je prends du recul puis je vais les attaquer ensuite. Parce que être trop près là, c'est difficile de voir où ils sont. Yo! Oh my god, j'entends rien et je vois rien. Ok, il reste 50 minutes. Il faut que j'avance, j'ai pas le choix. Je sais pas où il est. Où ils sont plutôt. Yo, il y aura des monstres comme ça quand je vais avancer? Qu'on peut pas... Qu'on est même pas sûr où ils sont? Oh shit. Yo, pour de vrai, ils sont où? Ok, là, moi, j'ai plus le temps de jouer, là. Plus le temps de jouer à cache-cache.
Je savais déjà que certains objets pouvaient être détruits. Yo, il est où? Oh shit! Non! Yo, on va essayer là de faire notre mieux là, mais je garantis pas là qu'on va survivre. Pas du tout. Yo, t'es où toi? Je t'ai vu! Oh Seigneur! Je sais, je gaspille des balles, mais il faut que j'essaie d'apprendre davantage sur eux. C'est ça une démo. Ok, ok, j'ai plus d'armes vraiment. Par contre, je peux faire une herbe? Non, je peux pas, j'ai pas trouvé d'herbe. Ok, je peux le reprendre par contre. Merci, fallait vraiment que t'exploses juste quand je suis à côté. Gauche. Ils sont où pour de vrai? J'en ai marre de jouer à cache-cache. Oh shit! Il est parti où? Ah, il est là, il est là, il est là. Il est là-bas! Yo, toi là! Dégage! Oh! Une fille qui est en train de se faire agresser. Fermez la porte! Vite! Ok. Vous faites quoi ici? Bonne question! Oh oh. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Ok, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'ici que ça veut dire que je peux pas... ou plutôt je vais vous faire du mal, là. Hein. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Oh oh. Vous connaissez la légende des loups-garous, hein? Si vous faisiez... si vous recevez une morsure, vous risquez de transformer en loup-garou. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Ah bah avant ça, moi je vais prendre les loupes que je peux trouver. Parce que l'autre fois, là, j'étais tellement pressé de finir la démo que... j'y restais encore au moins 10 minutes. Oh, enjambé. Mais il n'y a vraiment pas plus d'objets que je peux trouver par hasard? Non, hein. Avec son chip, son chip. Ok, bon. Est-ce qu'il y aurait des trucs? Attends, il reste combien de temps? Oh, il reste un bon 44 minutes. Je suis pas pressé. Mais c'est, en même temps, ça devrait pas prendre 44 minutes. C'est 30 minutes. Mais je pense qu'il nous donne 30 minutes de plus pour le château. Mais j'ai déjà fait la démo du château, puis ça me tente pas de le refaire. Ok, donc je peux pas faire quoi que ce soit là-dessus. Est-ce que c'est cassé cette affaire-là ou... Non, c'est pas cassé, c'est juste qu'on n'a pas l'objet en question. Ouais. Et allez, traverse.
Ok, est-ce que j'ai des balles pour ça? Non, pas du tout. Oh, un fluide chimique. Je fais quoi avec un fluide chimique, moi? Ok, c'est vraiment pour que pour ça, hein? Je vois. Le fluide chimique, c'est vraiment pas que pour les balles. Ok. Non, on peut pas casser quoi que ce soit. C'est quoi ça? Oh, ce sera pas le morceau de... il faut trouver quelque chose pour l'ouvrir. Mais tu peux pas utiliser ton couteau, toi aussi? Oh my god. Bon. Oh, mais quand même, quand vous y pensez, hein. Moi, j'aurais utilisé mon couteau, là. Oh, attends. Ok, c'est juste pour fermer, lol. Comme je disais, moi, j'allais prendre mon couteau, là, s'il fallait que j'essaie de trouver un truc, puis c'était urgent. Je comprends rien. Oh, je suis bête. Et en fait, il parlait de ça, j'imagine. Oh, non. T'es pas très smart. Venez, c'est ouvert. Allez, goûte-toi. Goûte-toi. Bon, donc au moins, dans ce jeu, on peut passer les scènes cinématiques. Ouais, c'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Oh, c'est correct. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Enfin, j'espère. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Même elle ne comprend pas. Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Mère Miranda, ce ne sera pas celle qui a kidnappé Rose. Je ne sais pas pourquoi je veux compter sur Mère Miranda, là. Elle peut se faire aller se faire voir, Mère Miranda. Ok. Eh oh, y a quelqu'un? Yo, tu vois que le vieux pépé, il a essayé de faire oui, la même affaire. Ouais. C'est moi, Elena. Oh. Oh. Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres. Lilian, du calme. C'est qui lui? Oh. Yo, calme-toi. Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. C'est ça. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Yo, arrête d'être égoïste comme ça. Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Oh, allons, ces gens sont nos amis. Oh. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Ok, et moi, je peux pas rentrer? Comment elle le sait? Ben, j'imagine, tout le monde se connaît quand on est dans, on vit dans un village. On va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh. Vraiment pas comme ça, là, avec ta vieille gueule. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Mmh. Entrez, Ethan. Merci, ma chérie. Toi, la reste dehors. Méchant chien. Restez ici. Je vais voir les autres. Bad dog. J'exagère, je dis n'importe quoi, là. Est-ce qu'il y a des loops? Ben, des loops. Je veux dire, est-ce qu'il y aurait des items? Donc, Louisa, une partie de bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Ouais, je m'en fous de Mère Miranda. Lol, mais là, je viens de réaliser. Oh my god. Ok. J'allais dire, en passant, Miranda... C'est le nom de ma mère. Alors, je viens juste de réaliser que c'est juste un peu stupide. Pourquoi ils ont appelé ça Mère Miranda? Ou plutôt, pourquoi ils l'ont appelé ainsi? Venez, les autres nous attendent. J'espère qu'ils seront tous aussi chaleureux que l'homme qui est dehors. Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Wow, pourquoi il... Y a pas de survivants! Un pauvre invalide! Une conne qui arrête pas de chialer! Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Ben là, et pourquoi toi tu devrais être là? Personne n'est à l'abri! Ben, je suis d'accord, ils sont pas totalement à l'abri, mais... Tous les connards dehors se sont fait triper! Waouh! Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari.
Mais la veilleuse, Roxana. Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? En passant, j'allais vous dire un truc. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Pauvre cette femme. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Moi, j'allais juste vous dire, j'aime pas comment la scène cinématique est faite. Approchez. J'aime pas les scènes cinématiques comme ça. C'est beaucoup trop, genre... Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas assez réaliste. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. J'aime mieux les scènes cinématiques quand ils sont... quand on voit une différence entre une scène cinématique et le jeu. Parce que là, c'est comme si le jeu continuait et qu'il n'y avait pas de scène cinématique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et attendons la lumière salvatrice. Regardez, je peux encore bouger. J'aime pas quand il y a des choses... Quand il y a une scène qui se passe comme ça, mais que je peux bouger mon personnage. Ça fait trop irréaliste. Mais pas réaliste, je sais pas comment vous expliquer. C'est l'immersion. Elle est moins intéressante. J'ai déjà entendu une vieille femme près du cimetière. Ouh, cette vilaine sorcière, je sais pas si j'aurais dû parler d'elle. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Oh! Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a plus les flammes! Oh non! Oh! Pauvre la femme! Oh, shit, lui, il est en train de devenir un espèce de monstre. Oh my god, je peux rien faire, je suis dans une scène cinématique. Mais t'as quoi pour utiliser ton arme, Ethan? Yo, ça prend une fois que tu vois des monstres. Oh shit. Non, lâche-moi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment qu'elle tirait là? Oh, elle a la porte, le shotgun. Oh mon Dieu! Je te demande pardon, papa! Hey, regardez-moi, c'était plus votre père. Exact. Vous avez fait le bon choix. Exact. Elena! Non! Y'a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Bon! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Exact. Laissez-moi ça. Ok, il reste... Oh shit, il reste seulement 4 minutes de base. J'ai pris trop de temps, je le sais. Mais j'espère que le fait que j'ai 60 minutes, ils vont pas le prendre... Ils vont pas m'arrêter, ils vont dire « Oh, la démo est terminée, maintenant vous irez seulement celui du château. » J'espère qu'ils vont pas faire comme ça, là. Parce que là, ça sera vraiment chiant. Moi, je veux faire tout au complet avec... Celle du château? Non, avec du village, parce que j'ai déjà fait celui du château. Ok, on a déjà vu, il n'y avait absolument rien de spécial ici. Ok. J'ai au moins 10 à 6 balles. Génial. Ok, est-ce qu'il y a des trucs ici que j'ai pas fouillé, ou plutôt que j'ai pas vu? Parce que honnêtement, il n'y a rien... Ça sert à rien d'être super précis si j'ai encore 30 minutes et quelques. Genre, je vais essayer de trouver le plus de trucs possible. C'est quoi ça qu'il y a? Oh, l'argent, mais ça va me servir à quoi? Ok, si tu as besoin de ton tournevis, prends celui qui est dans les porte-clés. Ah! Ça doit être ça. Ok, je vois. Je vois. Ok, j'ai pris des balles.
Ok, je pense que c'est tout là. On va garder le shotgun parce que de toute façon c'est juste une démo là, je m'en fous. Ok, il y avait vraiment rien. Bon, allons, je sais pas moi. Allumer l'auto. Le feu gagne du terrain. Allez, vas-y, grouille-toi. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Quoi? Ok, on va voir. On va voir si tu sais conduire, Ethan. Conduis pas comme Ashley, s'il vous plaît, dans le 4. Attends, là, c'est une scène cinématique, sérieux? Oh, c'est nul. Mais comment une auto pourrait pas être capable de défoncer la porte? Ça brûle. On n'a plus de temps. Ok, mais grouillez-vous, trouvez une solution là. Restez pas là à attendre que le feu il prend toute la maison. What? Vite. Attends, je rêve ou... Ok, déjà pour commencer là, moi il y a une affaire que je cache pas. Genre, tu vois que la maison est en train de brûler, tu peux pas essayer de trouver la sortie de secours? Comme tout le monde le fait dans toutes les maisons qu'il y a normalement. Bon, je sais qu'on est dans un village, mais... En tout cas, vous avez compris? Avec plaisir. Ok, je pense pas qu'on peut passer par là, malheureusement. Ok... Oh, c'est par ici. Oh! Yo, grouillez-vous là, s'il vous plaît, on a plus le temps. C'est bon, ça va tenir. Oh nice, on pourrait y arriver. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. Yo, c'est pas le temps de penser à après. Il y en a trop. Non, 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 tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non, là-bas vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester. Et toi tu veux rester où il y a le feu, toi, peut-être? Oh shit, pas lui. Elena. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est plus lui. C'est plus lui, c'est ça. Il me reconnaît. C'est trop dangereux. Espèce de crétine, qu'est-ce que tu fous? Bougez pas. PC, c'est pas le temps de t'occuper de ton père, il est déjà fini, il a tué tout le monde. Oh mon dieu. Attrape ma main. Sauvez votre fille. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Grouille-toi, on n'a pas... Putain de merde. Ethan, franchement, là, t'as pas de sentir mal. C'est elle qui a fait l'idiote. Yo. Pourquoi est-ce que tout le monde... Demande-toi pourquoi personne essaie de survivre. C'est vrai. Yo, la femme, elle avait des chances de survivre. Elle est conne. Excuse-moi là, mais au lieu de commencer à parler là, pense plutôt à essayer de t'enfuir de cet endroit là. Qu'est-ce que vous avez appris à essayer de monter en hauteur là? Vous pensez que quoi? Vous êtes Rambo? Franchement. Je comprends pas. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Arrête de regarder en arrière, c'est fini, c'est trop tard. Tu veux toi aussi mourir comme la femme? T'as un bébé à aller sauver. Y'a Mia qui t'attend à la maison. Mais pourquoi ça commence? Quand tu dis ça, tu fais référence à Resident Evil 7. Bon, mais je vais te dire un truc, c'est pas de sa faute. C'est pas de ta faute plutôt. Ouais. Bon, je pense qu'on peut plus rentrer dans la maison, c'est fini. Je voulais aller voir s'il y avait des loupes, mais on dirait pas. Ok, bon. Ok, non, non, non. Donc, il y a eu un certain temps qui s'est écoulé. Donc, j'ai déjà dépassé le temps limite. Mais je pourrais quand même aller récupérer des trucs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il me reste encore 28 minutes là. Oh! Oh oh. Dis-moi pas que elle est venue se venger parce que j'ai détruit cette merde. Qui était censé la vénérer. Oh fuck you, Miranda, dégage.
Ok, je veux voir s'il n'y aurait pas d'autres monstres ou d'autres trucs. Tu sais, comme il reste encore un bon petit moment là. C'est temps d'aller profiter pour aller affronter. Oh! Oh, cette vieille femme! Oui. La mort leur a tous rendu visite. On peut tuer sur elle? On peut pas la tirer. Fuck. Je voulais la viser sur elle. Ok, je pense qu'il y avait un endroit où il y avait. Un crochet. Est-ce que je peux utiliser par hasard le tournevis encore? Non. On dirait que je l'ai même plus. Ah, fait chier, je l'ai plus. Ok, donc c'était juste utilisable pour une seule fois. Fudge. Serais-tu ça qu'il faudrait mettre ici ou. Ok. Ouais. Puis là, il faut mettre le démon. Voilà. Je sens qu'on va se faire tuer. Puis après, la démo se termine comme ça. Je vous le dis à 100%. Et ouais. Et ouais, mon cher Ethan. Et ouais. Mais tout ça va se faire sur le 7 mai. Le sang et la mort m'attendent juste le 7 mai. Ou... On va jouer le 7 mai, mais c'est sûr qu'on va... comment dire... On va faire ça le 8 mai, genre. Genre, vous allez le voir. Bref, donc... Non, je veux pas voir cette foutue démo, on l'a vu comme l'autre fois, là. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre le j'aime sur la vidéo, de commenter, de vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Et on se retrouve pour le prochain épisode.